Laïla! J'arrive pas! Je suis là! Je suis là! Mais tu vas acheter au Dieu, hein? Mais oui, hein! J'ai fait de la c'est de concocter, hein! C'est pas ma blague, hein! C'est fini? Oui, mais c'est pas grave parce qu'au magasin on peut acheter encore plus de sacs. Tu vas acheter beaucoup, hein? Beaucoup, beaucoup même. Wow, c'est joli ici, hein? Ah ouais, c'est très classe. Hein. Mec de... Bien chérie, on va regarder. Ouais, j'accompagne, hein? La compagnie elle est trop bien. Waouh, elle est belle cette veste, hein. Mais c'est des trucs hommes, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Chérie, c'est pour les hommes. Oui, mais tu es un homme. Je suis pas un homme, mais j'ai mon papa. Oh, ton papa. Ça c'est des habits des jeunes. Ton papa, il a au moins 50 ans, 60 ans. Ça va pas avec lui. Chérie. Ouais. Mais mon papa, c'est un papa Android. Papa Android. Android. Bah oui. Ah, OK, moi j'accompagne. Chérie, regarde ça. C'est trop joli. En plus, je cherchais la même depuis longtemps. Attends, j'adore. Il est trop bien ce magasin. Je veux juste voir s'il y a ma taille. Ouh, trop bien. Et regarde un peu sur moi. Qu'est-ce que t'en dis? 70 euros. Oh, mais c'est pas grave. Hein, c'est de la bonne qualité. Hein, en tout cas. Ça, c'est de la bonne qualité. Non, c'est bon. Qu'est-ce que moi? J'accompagne. Mais t'as pas besoin de répéter ça à chaque fois. Hein. C'est quel? Tu prends ça? Oui. Oui, c'est la bonne taille. Tu avais reçu. Mais on a déjà pris beaucoup là-bas. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Hein. Tu as vu tous mes sacs que j'ai pris. On doit essayer de les remplir quand même. Il faut remplir les sacs. Oui, oui. C'est les fêtes. Bah oui, c'est les fêtes. En fait, ça, on doit mettre quelque chose de rouge pour Nouvel An. Donc, ça, je trouve très classe. Hein. Ça, je vais prendre ça. Je vais juste regarder la taille. Non, je dois vérifier la taille. Hein. Le prix, c'est combien? C'est très bien. Ça, mais ça n'a pas d'importance. Le prix, moi, c'est la taille qui me convient et c'est bon. Hein. En tous les cas, moi, j'accompagne. Voilà. Mmh, j'accompagne. Ah, mais oui. C'est pas mal, toi qui vois. Hein. C'est quel pointillé déjà? Tu mets quel pointillé? Moi je mets du 40. Ah, ta pointillé c'est bon, 40. Oh. Du 40. Ta pointillé du 40. Tiens, chouchou. Waouh! Viens, mon cœur. Maman. Tu comprends? Tu veux encore la chaussure? Bah oui. Ah, oh, ok. Tu veux quelle chaussure encore? La couleur ici. Ah, j'ai trouvé ça aussi. Ah, elles sont très belles. Tu penses ça? Trop bien, oui. C'est du 36. Tu as plus du 40 tout à l'heure. Et alors, chérie? Tu sais, mon pied là, ça change en fonction des saisons. Ah bon? En automne là, ça se lâche un peu. En été, ça rétrécit encore. En fait, ça dépend des saisons. Donc, mon pied s'adapte à la chaussure en fonction de la saison. Ah, non, tu mets 40, 36, même 40. Tu as tout compris, chérie. Prends seulement. Alors. Donc, ah oui, il y a du bling bling par ici. Ça, c'est tout ce que j'aime. Ouf, je dois briller le jour de fête. Hein. Oh là là, trop bien. Je suis vraiment bien tombée. Hein. Tu prends ça aussi? Oui, 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 trop bien. C'est tout ce que j'aime, chérie. Mais le magasin est joli. Et en plus, ça, ça a sorti à la chaussure. Tiens, tout aussi là. Non, les chaussures, c'est bon. Hein. Allez, ah non, une paire de chaussures blanches quand même aussi, pourquoi pas. Oui, ça va bien aller avec. 37, c'est bon. 36, 37. Ah, oh, au BTP sont saisonniers. Je sais que ça s'adapte, ouais. Non, okay. Pourquoi tu es compliqué? Mais on peut pas aller à la caisse d'abord parce que ça va pas, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Tiens, un homme, non. Voilà, ça c'est le dernier manteau et on peut y aller maintenant. Parce que comme il fait froid, tu vois, je ne peux pas tomber malade. Mais c'est pas que tu appuies les tout là-bas derrière beaucoup, hein. Mais c'est pas grave, hein. Tiens. Moi, j'accompagne. Allez, avance mon cœur, avance mon chéri. Okay. Oh. Allons. Avance mon chéri. J'accompagne. Chéri, attends. Est-ce que j'ai pris un sac à main? Hein? Tu as un sac à main là avec toi ou pas? Non. Attends. Mais tu as la boule là-bas devant. Oui, mais il faut l'autre assorti pour la robe bling bling. Tu sais, j'ai pris deux tenues et oui, attends. Prends. Ça va? J'accompagne. Voilà. Mais tu peux attraper, non? Ah, ça va. C'est
Madame, c'est une merde dans l'œil. Voilà. C'est bon. Bonjour monsieur. Ah, c'est là. Monsieur, vous avez trouvé tout ce que vous vouliez? Ouais, là-bas, il y en a encore, non? Oui, oui. C'est déjà emballé? Oui, c'est déjà emballé. Ok, videz ça dessus. Ah, y'a, y'a, c'est déjà bon. Ok, videz ça dessus. Ok. Ça aussi? Ouais, tu mets, tu calcules tout, madame. Ok. Attends, j'ai fait comme c'est moi-même. Madame, au fait, j'accompagne. Ok. J'accompagne, madame. Madame, monsieur, les autres sont déjà emballés. C'est déjà emballé, oui. Ça fait combien déjà l'autre là? 1700. Ok, 1700 euros. 1700 euros. Ça, elle est bien, hein? Elle a bien les bonnes qualités seulement là. J'accompagne. D'accord. Aïe. C'est impossible. Chérie, j'ai oublié ma carte en fait. Tu as oublié ta carte à la maison? Non, mon portefeuille, en fait, j'ai oublié dans l'autre sac à la maison. Ce n'est pas le... Je ne peux pas regarder derrière. Attends. Regardez derrière. Mais oui. Pour voir qui? Mais moi. Toi. Depuis janvier, je t'appelle chaque fois. Mon numéro est bloqué. Oh, tu ne peux même pas regarder derrière. Fais quoi? Chérie, fais quoi? Chérie, calme-toi. Maintenant, je vais t'expliquer. C'était la raison pour laquelle mon numéro ne passait pas. Maintenant, tu peux essayer de me joindre et tu verras. Regarde. Essaye de regarder. Tu vas voir que je te dis la vérité. Tu étais où? Mais je n'étais pas là, je suis en déplacement. Ok. Comment je peux te tourner le dos? Tu es regarde, tellement ta beau. Ta mère, t'es pas tes jeunes. Allez, le téléphone, allez. Mais chérie, mais vas-y. Là, on se l'appelle, tu verras. Regarde. Comment ça m'en fait? C'est écrit quoi? Hein? C'est écrit quoi? Chérie, ouais, bah. Ben oui, qu'est-ce que tu croyais? Moi, je t'ai... Donc moi, j'ai vu les films. Mais oui, j'ai t'apprécié vraiment dès le départ, tu comprends? Ah, maintenant, tu as vu que toi, tout est retourné dans l'ordre, chérie. Moi, mon cœur faisait poum, mais poum, poum. Mais comment? Moi, j'étais vraiment appréciée nos premiers regards. Je te propose un rendez-vous demain parce que là, il pleut et tout. Et en plus, je suis pressée. Donc demain, tu veux bien m'accompagner faire du shopping? Il n'y a pas de problème. Oui, comme ça on va passer un petit moment un peu ensemble. On se voit où d'abord? Bah je te... Ah ouais, moi j'ai ton numéro et tout ça, mais on peut se revoir ici. On se retrouve ici demain, même ça va demain. À la même heure, ça va? Comme ça on va partager un peu de moments ensemble, ça va? Écoutez. Ah bah allez, bisous à mon chéri. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, hein. Ça là, il est mangé. Il est mangé, ça là. Viens la voiture, allons, tu vas chercher. Non, mais le problème, c'est pas ça. Je suis pas sûre, en fait, même que c'est à la maison. Y'a quoi encore? Non, parce qu'en fait, hier, j'ai pris le... Allez, hier, je suis sortie et en fait, j'avais l'autre sac. Et en fait, je pense que j'ai oublié mon sac ou j'ai perdu mon sac. Je sais pas trop, en fait. C'est pas possible, en fait. Là, je suis un peu coincée, quoi. Et tu sais quoi? Dans son téléphone, là, non, mon nom était écrit Chérie Weba. La patience paye les yeux. Et puis, demain même là, non? Hé, hey, tu es content comme moi? Et puis, demain même, on a rendez-vous dans un magasin pour faire le shopping. Parce qu'on voulait beaucoup parler, mais il pleuvait. Elle m'a dit, mais oui, mais comme il pleut là, non? Laisse d'abord. Demain, on va beaucoup causer. Comme j'ai le temps demain, accompagne-moi au shopping. Hey, tu sais, la patience paye les yeux. Je vais manger ça. Tu vas manger quoi? Je vais manger. Va arrêter ça là, dis donc. Hein? Ah, Vipé, tu es contre moi. les jeunes d'aujourd'hui là. Ouais, bah, tu es bête ou tu refuses de réfléchir? Vipé, il y a quoi? Faut me dire. C'est tu es bête ou tu refuses de réfléchir? Donc, comme je trouve une femme maintenant, ça me plaît maintenant, tu es contre moi. Tu es contre mes intérêts. Donc, pourtant, tu as trouvé une femme quoi?
mon petit, là où tu es là, ton porte-monnaie est en danger. Ton porte-monnaie court les gros risques, les risques qui ne sont pas conseillés à un garçon intelligent. Tu as dragué une fille en janvier, elle titube, elle tourne, tourne, son numéro ne passe pas. Et puis décembre, elle apparaît, on dirait étoile qui sort de nulle part. Et toi, tu ici, tu jubiles, tu danses. J'ai trouvé femme, j'ai trouvé femme. Vas-y, tu vas l'accompagner. Après, quand tu vas l'accompagner, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que vieux père, tu vas comprendre que ce que vieux il voit assis là. Hein? Petit là, si tu veux, enfant, tu montes sur chaise, tu doubles trois chaises, tu vas pas voir. C'est pas grave, pas t'inquiéter, pas t'inquiéter. Madame, oui. Vous ouvrez demain? Oui. La demain aussi vous ouvrez? Oui. Donc vous pouvez déposer là, le temps qu'elle reçoit le porte-monnaie, elle va revenir pas payer. Si, ok. Mais non, c'est pas possible. J'avais besoin de ça aujourd'hui. Chérie, c'est, allez, les fêtes vont bientôt commencer et tout. C'est pour fêter avec moi? Mais oui, chérie, toi tu croyais que quoi? On va fêter ensemble, chérie. Quand je vais mettre tout ça, c'est pour te plaire. C'est pour les fêtes qu'on va fêter ensemble. Mais oui, mon amour. Madame, ça fait en tout combien? 2000 euros. 2000? Ça fait 2000 euros. 2000 euros? Oui. Il peut payer. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci. Oh, le banque comptable, c'est où déjà? Ici. La vie! Ma copine! Ma copine, c'est comment? Ça va? Tu vois aussi les magasins chez Zaya? Bah oui, un super magasin aussi classe que celui-là. Oh, ils ont des beaux habits, hein? Ah, t'as vu le look? Franchement, il n'y a pas deux ici, hein? Ah non, ça c'est sûr. Ah bah oui, hein? Voilà, je te présente mon chéri JB, hein? Le pigeon dont je t'ai parlé hier. Viens, JB, viens! Voilà chérie, voilà 500 euros. C'est pas vraiment assez avec tout ce que je dois m'acheter. Je dois refaire ma garde-robe. C'est pas une ou deux chemises que je vais m'acheter. Hey, chérie. Des vestes et tout ça, mais ça... Non, c'est pas assez ma chérie. Mais tu sais, j'ai pas trop d'argent. Je touche pas trop non plus, hein, tous les mois. T'as quand même 1500 euros le mois. Donc si tu me trouvais 1500 pour un mois juste pour les fêtes... Oui, donc je te donne la totalité, c'est ça. Pour ce mois, donc. Bon, allez. C'est pas grave. Je te donne tout ce que j'ai, hein. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Bon, voilà, 1000 euros, donc ça te fera au total 1500 alors. J'ai la chance vraiment de t'avoir. Moi aussi j'ai beaucoup de chance de t'avoir. J'ai des amis qui vont venir de Paris, Londres, Suisse. Il y a même un qui va arriver du Cameroun là. Allez. Ah bah oui. Et ton gars? Ma copine. Mon gars. Ouais. Parmi tous ces gars là, je vais choisir un. Celui qui est le genre que j'aime bien, ma copine. Et tous ces frères là, en attendant que les autres arrivent, qui va assumer? Ma copine. Ce n'est pas pour rien que je m'appelle Sweetie. J'ai trouvé un pigeon, ma copine. Vraiment, les hommes, des éternelles bêtes. Le mec, quand il me voit, il tremble de Sweetie, Sweetie. Je vais le faire saigner pendant ses petits. Il va saigner, mais d'une manière. Je vais le déplumer, one by one. Déplumer, déplumer, ma copine. Eh oui. Tu vas passer les fêtes avec qui? Pigeon comme ça. Allô, mon amour. Ben oui. Non, je voulais te sentir, t'entendre sourire et tout. Ah ouais, devine. C'est que tu m'as demandé le shopping que tu voulais que je fasse pour toi, pour les fêtes. Je viens de recevoir mon virement il y a quelques secondes. Comme tu veux, je peux t'accompagner quand tu veux. Ma chérie, c'est ta copine. Elle est... Alors, c'est ton chéri? Et toi qui ouvres ta bouche là, et elle c'est qui? Hein?
C'est ton chéri. T'es culotté quand même. Et puis, mon problème, c'est quoi dedans? Ah, tu ne sais pas, hein. Lundi, c'était dedans. Tu étais dedans. Mardi, c'était dedans. Tu étais dedans. Mercredi, c'était dedans. Tu étais dedans. Tous les jours pendant l'année. Tu étais dedans. C'était dedans. Tu étais dedans. Ah, va pleurer ailleurs. N'importe quoi.